Ce mandat était plus difficile que le précédent puisqu'il y avait des moyens en baisse sur tous les plans. Et néanmoins, j'ai pu travailler sans renoncer à mes valeurs, plus de persévérance, mais je suis assez fière d'avoir pu continuer à créer de l'emploi indirectement, hein, par des aides au logement social, aider les locataires, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, contribuer à pouvoir structurer des filières, hein, ce faisant, travailler sur la question des personnes en situation de handicap, l'accueil dans les centres dits ordinaires avec le label H+, et puis en politique de la ville, des gros changements devant nous, mais qui sont amorcés, ça y est, concernant l'implication des habitants, hein, le développement du pouvoir d'agir, et puis la mobilisation des politiques dites de droit commun, c'est-à-dire tout le monde autour de la table doit adapter, coordonner les politiques publiques au bénéfice des usagers. C'est une vraie révolution et on l'a enclenchée, et bon, il faudra suivre derrière, voilà.